À travailler dans l'hôtellerie de chaîne. Puis en 1995, je me suis associé avec un ami hôtelier. On avait fondé une centrale de réservation qu'on a eu l'occasion de revendre en 2008. Et suite à cela, on s'est lancé à corps perdu dans la création d'hôtels boutiques à Paris. En ayant au préalable déjà commis un premier méfait en réalisant l'hôtel 5. Il y avait eu d'autres confrères qui avaient fait des choses, mais on était encore très peu nombreux à l'époque à avoir travaillé sur ce sujet. On a eu beaucoup de retombées de la part des médias. On a été d'ailleurs très très surpris du succès de l'hôtel. Et donc c'est ce qui nous a donné envie après de continuer dans cette voie. J'ai voulu réaliser cet hôtel comme la maison d'une artiste à Paris. Ce travail que j'ai fait avec Julie Gautron, j'ai rencontré Julie quelques années auparavant parce qu'elle était graphiste. J'ai découvert qu'elle avait des talents dans le domaine artistique, elle dessinait beaucoup, elle faisait des performances en faisant des sculptures en fil de fer à la façon de Calder. Et j'aimais beaucoup sa sensibilité. Et voilà, et donc on a commencé à travailler sur ce projet. Et puis petit à petit, pas à pas, Julie nous a fait part de ses intentions donc, de mettre beaucoup de couleurs dans les chambres. Donc ça a été la première étape. Et puis tout naturellement, il nous est venu l'envie de meubler l'hôtel avec des meubles qu'on allait trouver au Puce ou chez les brocanteurs. Et puis parallèlement à ça, vous avez vu qu'il y a beaucoup de dessins qui ont été tirés des cahiers de dessin de Julie. Et donc des personnages qui sont là et qui viennent habiter les couloirs de l'hôtel, qui viennent habiter aussi les chambres de l'hôtel, voilà, et qui donnent cette touche artistique, cette dimension qu'on voulait absolument donner à l'établissement. Elegantia est un groupe qui est sans cesse en quête d'originalité. On veut développer notre groupe un petit peu en marge de ce qui se fait au niveau de l'hôtellerie parisienne. On est des caméléons, et c'est pour ça qu'à chaque fois on va travailler sur des sujets différents en hôtellerie. On a quelques projets qui vont bientôt ouvrir sur Paris. Donc un projet avec le designer Oraito qui verra le jour normalement au printemps. Un sujet très ambitieux avec un agencement extrêmement compliqué, un mariage de bois, de coriandre, de feutre, donc qui va donner un côté extrêmement novateur en termes de concept, vraiment une sensation d'être dans une capsule. Il y a un projet aussi qui va se matérialiser, qui va ouvrir courant février à la Bastille, c'est l'hôtel Angélie. Donc là, c'est plus le thème un boudoir chic. Voilà, donc un endroit où les anges vont venir s'encanailler. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai le soin de le découvrir. Et puis un autre établissement qui s'appelle le Légende et qui ouvre courant mars, où là on est sur le thème de la légende, donc avec un univers un peu plus onirique. Ensuite, deux autres projets, début 2013,
2013. Porte de Champéret, un établissement qui va s'appeler le Velvet, donc le velours, et plus tourné vers une clientèle d'affaires, avec certainement des codes qui vont correspondre plutôt à la femme d'affaires d'ailleurs qu'à l'homme d'affaires. On a envie de faire plaisir aux femmes dans cet hôtel. Et puis un dernier projet à quelques mètres d'ici, le Pocket Palace. Donc c'est un petit hôtel qu'on vient de racheter qui se trouve en face de la Banque de France, rue Croix des Petits Champs, où là on entend faire un hôtel pour les amoureux du vin et aussi un hôtel qui va reprendre tous les codes du palace mais détourné à notre manière. Et c'est un projet qu'on fait avec un garçon qui est très brillant qui s'appelle Oscar Renaud.